Salut tout le monde, c'est Era. Alors je suis back, après 2 semaines sans poster de vidéo. J'avais celle-ci qui traînait dans mes dossiers. En fait, ça va être un gameplay genre assez spécial, étant donné que vous savez, je monte toutes les armes, tous les camos et tout ça. Et là, j'étais sur la Hog. Et du coup, je faisais les défis de kill sans accessoires, si vous voulez. Donc là on est sur Riverside hein, pour changer, la map qui sort une fois sur deux en guerre terrestre. Ça c'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de bonnes maps en guerre terrestre et je ne sais pas pourquoi, le système de rotation des maps est complètement buggé. Vu que à l'heure où j'enregistre la vidéo, mon Armor Warfare 2 sort, je pense pas qu'ils vont régler le problème de sitôt. Là j'avais vu un Jug, je pensais que c'était un allié mais il m'a pas vu heureusement. Non je me suis cassé. Du coup la Hog si vous voulez, pour moi je pense que c'est une des meilleures SMG, clairement. Avec peut-être la MP5, moi j'ai une préférence pour l'Hog. La MP5 c'est, vous voyez, c'est un peu une méta de la SMG, des SMG. Moi j'aime bien un peu me mettre au défi de tester d'autres armes. Alors ce que je fais là si vous voulez, en plus j'ai monté toutes les LMG en or du coup, en platine aussi. C'était horrible, voilà, tout simplement l'impression de... d'avoir un paquebot entre les mains. Même si j'arrivais à faire dessus des builds un peu, vous voyez, sans cross et tout, des builds rush. Comme ça. Mais bon, j'ai pas fait de nuke avec. J'étais 2 ou 3 fois vraiment pas loin. Je suis mort plusieurs fois à 25, 26, 27. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça c'est... les LMG sont faites. Et là, je suis allé sur les... comment on appelle ça, les DMR, ouais, voilà. Les armes qui touchent haute de manière générale. Et je vous dis, j'ai commencé depuis hier, c'est une horreur. Vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, j'essaie de faire tout en guerre terrestre, j'ai pas envie de faire du shipment et tout, histoire de farmer mes armes, j'ai vraiment envie de me lancer le défi de faire absolument tous les camos en guerre terrestre. Pour l'instant, je n'ai pas triché. Donc bref, voilà. Alors Log, si vous voulez, sans accessoires, elle est quand même ultra bien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de recul. Elle a que 32 balles, par contre, elle crache assez vite son chargeur. Je trouve que sa cadence est quand même assez parfaite. Une cadence moins élevée que la MP5, par exemple. Ah, énormément de chance, regardez, hop là, le mec. Pensais que j'allais repique, heureusement j'ai pu me steam à temps. Là, je décide d'aller sur B un petit peu pour aller déloger. J'adore traîner sur B. Surtout quand ils ont C, du coup on a un méga back. Et pour les défis topo, où c'est qu'il faut poser son arme, il suffit d'aller dans le petit bâtiment qui a... On va peut-être le voir là. Ouais, voilà, ce bâtiment là, en bas là. Vous posez votre arme et ils sortent tous de C. Et là, vous pouvez aligner. Donc pour les défis, où c'est que... faut faire les défis avec l'arme montée, c'est parfait. Voilà, je me baladais un peu, je vois qu'ils prennent C. Donc du coup, je préfère aller sur C. J'aime pas trop traîner sur... sur B, sachant que là, en fait, j'ai pas de silencieux. Alors, du coup, il faut que je sois extrêmement mobile. À chaque kill, je me repositionne, si vous voulez. Là, je suis à 23, je me dis, ouais, c'est chaud. J'ai jamais fait nuke sans... avec une arme sans accessoire. Je me dis, allez, pourquoi pas, on va marquer le coup. Je crois que c'est la seule que j'ai faite avec les SMG. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je dis que de la merde, parce que... j'ai fait nuke, vous allez le voir sur ma prochaine vidéo avec une LMG. Je sais plus le nom. Mais c'est une LMG qui se rapproche très, fait beaucoup d'une AR. Alors, je sais plus le nom, vous le reconnaîtrez dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je ne commenterai plus mes prochaines vidéos, je vais faire tout en, un peu en live. Quoi. C'est-à-dire que je m'enregistre en même temps que je joue. Je trouve ça mieux, étant donné que je suis pas du tout à l'aise à commenter. Mais voilà, alors là, je suis sur... je sais qu'il nous rush un peu, je fais attention, on a beaucoup de chance sur lui qui m'a pas vu. Non voilà, que dire de plus, voilà, c'est la sortie de Modern Warfare 2, moi je l'ai pas acheté. Pour l'instant parce que je vois qu'il y a beaucoup de features qui ont été enlevées comparé à ce Modern Warfare là. C'est-à-dire que la glissade, c'est un peu. La glissade vous savez c'est un peu. T'as regardé à distance là, hop là. C'est sans accessoires, mais elle fait le taf quoi. Non, du coup, oui, ils ont enlevé la glissade sur Modern Warfare 2.
T'as allié, mais elle est très. Elle est comme Battlefield 1 en fait. Elle est vraiment dark, si vous voulez. On peut pas vraiment faire de d'action avec. Et maintenant, la méta, ça va être le plongeon. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Là, à ce moment-là, j'étais avec un tweet. J'étais complètement bloqué dans le bâtiment parce que vous allez voir, à chaque fois que je sors, si vous voulez, je vais avoir alerte qui me signale qu'un joueur me regarde. Alors, je suppose qu'il y avait un sniper du côté de E qui campait, ouais, par là. Et à chaque fois que je vais tourner la tête, il me semble, je vais, ouais, voilà, regardez. Hop là, et il me tirait pas dessus. Alors, je sais pas s'il avait du mal à m'ajuster ou je ne sais quoi. En tout cas, j'étais un peu bloqué, j'avais peur. Ah, voilà, et là, je débloque la nuke. Voilà, une nuke. Et là, regardez, je me fais vraiment harceler de partout, mais personne ne me tire dessus, j'ai pas compris. Sauf à la fin, là. Oh, une nuke sans accessoire, je me dis, ça pourrait être sympa. À vous proposer. Donc, vous me connaissez, en général, j'attends la fin de la game pour envoyer la nuke. Histoire de ruiner la game pour personne. Donc voilà, log, vraiment très très bonne arme. Pour moi, clairement, je pense que c'est la meilleure SMG. Du moins, un moyen de... Moyenne et courte distance. Bon, contre une MP5 au corps à corps, elle fait pas le poids, bien sûr, mais bon. C'est une SMG qui se rapproche le plus d'une AR, en fait. J'aime beaucoup l'Uzi. J'ai énormément joué avec l'Uzi avant. Mais malgré sa cadence pourrie à l'Uzi, on arrive quand même à faire de très bons trucs. Là, triple fail. je voulais monter dessus. Et malheureusement, j'ai pas la suite de la vidéo, c'est que j'envoie la nuke. Mais bon, écoutez, tant pis. Dans l'aide obsessionnelle, de toute façon, c'est toujours la même chose. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.